Et toujours dans le domaine de la formation, la Conférence nationale des médecins de Côte d'Ivoire, en partenariat avec la Caisse nationale d'assurance maladie, a initié un atelier de formation à l'endroit des doctorants et nouveaux docteurs en médecine, pharmacie et odontostomatologie sur la couverture maladie universelle. Cette formation permettra à ces futurs prescripteurs et acteurs de la santé de s'impliquer davantage dans la mise en œuvre de la CMU et de faire d'eux des ambassadeurs CMU au sein du système de santé. Fulgence Canon, commenté, Pazine Abdosso. Professionnels de santé, organisations professionnelles de santé, leaders d'associations et doctorants en sciences de la santé ont reçu toute la connaissance nécessaire pour la mise en œuvre de la couverture maladie universelle instituée par le gouvernement ivoirien. La CNAM participe à toutes les formations qui sont utiles pour faire évoluer la CMU. Aujourd'hui, l'opportunité nous est donnée de nous adresser à des jeunes médecins, des jeunes chirurgiens dentistes, des jeunes pharmaciens qui viennent de sortir de l'université. Nous allons leur expliquer aujourd'hui qu'est-ce que la CMU. Les participants ont été instruits sur les trois risques auxquels est confronté tout système d'assurance. Les risques de surconsommation des services de l'assurance, la surprescription des produits qui engagent la responsabilité des médecins et enfin la fraude. Les médecins, encore en formation, ont été invités à se référer aux standards de la profession et non à certains référents professionnels afin qu'ils évitent d'adopter les mauvaises pratiques de certains professionnels véreux. Cette formation a été initiée dans le but de renforcer les capacités des professionnels de la santé sur un sujet qui est d'actualité et un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, un sujet sur lequel il existe beaucoup de préjugés, qu'est la couverture maladie universelle. En tant qu'organisation, association de médecins, il était de notre devoir de créer ce cadre d'échange-là pour qu'ils puissent comprendre véritablement ce que c'est que la couverture maladie universelle. C'est un grand intérêt pour nous, surtout spécialistes, parce qu'en consultation, on a beaucoup de patients qui ont la carte CMU et puis nous ne savons pas vraiment les médicaments qui passent là-dessus. Donc c'est une formation qui sera un plus pour nous lors des consultations pour la meilleure prise en charge des patients. À travers cette activité, la CNMCI veut apporter sa contribution à la résolution d'une problématique essentielle pour la population, a indiqué le docteur Yves-Fabrice Yao.